Stephen Erlanger, je suis Stephen Erlangen, je travaille pour le New York Times. Je voudrais aussi remercier Thierry, je le félicite pour son 10e anniversaire. Ceci ressemble à un gâteau d'anniversaire, mais bon, n'y pensons pas. Alors pour moi, a career journalist, a en very tant important que journaliste, c'est un panel très important. Truth. Nous sommes ici pour parler de la confiance et de la vérité. Now it seems to me truth and trust are questions. Il me semble que la confiance et la vérité sont des questions qui sont relatives à toutes les ères en fait. Now we're all so interconnected. Quelque chose d'important également de les temps médiévaux. Mais maintenant, nous sommes tous connectés, nous sommes tous sujets de nos téléphones, nous sommes des prisonniers de nos téléphones. Et les téléphones en disent beaucoup sur notre personnalité. L'une des choses qu'a fait l'Internet, an enormous amount of knowledge available to everyone in many different languages. But as Henry Kissinger once said, knowledge is not wisdom. They are two very different things. One can know many, many things, but not understand much at all. On peut savoir beaucoup de choses, and this is the great fear. So I think what we have is a very varied panel with a lot of expertise and a lot of humanity. I'm not going to introduce everyone because you all have your packs and you can look people up yourselves. And we're going to go right to it. I'm also going to try to leave 20 minutes at the end for questions, and we're going to try to be done by 6 o'clock just to try to leave in some time and get back on schedule. So I appreciate your attention. Donc j'apprécie votre participation. Et quite extraordinarily, le premier intervenant, c'est le Chaim Corsia. Chaim, up to you. Chef rabbi de France.